Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. J'ai enfin reçu un kit de filtre pour la caméra de la Nafi, donc il s'agit d'un kit de 8 filtres qui combine les fonctions ND et ou polarisantes. Alors, le filtre ND, ça sert à réduire la vitesse d'obturation pour avoir un rendu plus cinéma, tandis que la fonction polarisante, elle a pour but d'atténuer les reflets et d'améliorer le rendu des couleurs. Alors, quelques précautions quand on utilise ces filtres. Tout d'abord, on évitera les traces de doigts, donc on peut utiliser un outil non métallique pour les extraire du coffret. Ensuite, on les installera appareil éteint, hors tension, de manière à ne pas forcer sur les moteurs de la nacelle, et il faudra les enfoncer jusqu'à la butée avec délicatesse. Enfin, attention, les filtres polarisants, ils ont une orientation. Donc là, vous les prenez, vous regardez le ciel et vous allez chercher l'angle qui vous donne le ciel le plus bleu. Alors maintenant, si on analyse les prises de vue réalisées avec ces filtres, alors tout d'abord, la fonction polarisante, elle atténue effectivement les reflets, elle améliore le rendu des couleurs et en particulier le ciel qui apparaît avec un bleu plus profond. Alors si on laisse les réglages en mode automatique, la comparaison des prises de vue nous montre que la caméra a tendance à un petit peu forcer sur les ISO avec des filtres ND, ça génère un petit bruit. Plutôt que de réduire la vitesse d'obturation, il faudra passer en réglage manuel quand on utilise les filtres ND si on veut en profiter pleinement. Donc quand on utilise les filtres ND, une méthode pour les réglages manuels, donc tout d'abord on va choisir le mode pro à la place d'auto. Ensuite on va choisir une vitesse d'obturation qui est la plus proche possible du double du frame rate, alors 1 sur 80 si on a 30 images par seconde, 1 sur 50 si on a 24 images par seconde, et ensuite on va ajuster les ISO de manière à avoir une exposition correcte. Donc typiquement quand il fait très beau, on va mettre les ISO au minimum à la valeur 100. Donc au passage, pensez à sélectionner une balance des blancs qui correspond aux conditions du jour, par exemple ciel bleu, si il fait très beau. Alors je vous fais part d'un phénomène un peu étrange que j'ai constaté dans des conditions bien précises, surtout si on utilise un filtre ND puissant. Donc quand la lumière vient par l'arrière et un petit peu de la droite, je pense que la lumière arrive à pénétrer via les ouvertures du carter caméra, puisque sur les images, on va pouvoir observer en haut à droite une tache lumineuse. Ça se voit surtout sur les photos en wide. Donc ça se voit que lorsqu'on utilise un filtre ND puissant et qu'il y a un angle bien précis du soleil à l'arrière du drone. En conclusion, on est ravi de voir que les accessoiristes ont vite réagi pour équiper le drone à Nafi. Alors ces filtres, ils sont pas vissés, malgré tout ils tiennent très bien en place et puis ils sont légers. Enfin, moyennant quelques réglages en manuel, ces filtres vous permettront de tirer tout le potentiel de la caméra du drone à Nafi. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Merci.